President, please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. Counsel for Mr. Kesem Phan, you may now resume le conseil de la défense de your Kesempan. Observations. Vous pouvez reprendre le fil de votre présentation. Merci, Monsieur le Président. Thank you, je voudrais maintenant m'attacher à quelques commentaires sur des déclarations like écrites qui ont été utilisées par l'accusation. Comments on the written statements that were used et, by the prosecution. Plus généralement, citer des passages qui n'ont pas été cités par l'accusation et qui me semblent intéressants, avec toujours en toile de fond les réserves que nous avons indiqué au début, à savoir qu'une déclaration écrite, ce n'est quand même pas la même chose qu'une audition à l'audience où on pourra clairement interroger sur tout et sur les éventuelles contradictions. En l'occurrence, le premier document qui m'intéresse est la déclaration de Rosoy, document E3-10620. L'accusation a cité les réponses 5, 78, 79, 83 et 84 de cette déclaration. Je voudrais citer, ce sera en anglais à l'attention des interprètes. D'abord, la question et réponse, les questions et réponses 81 et 82. You said that there was a plan to marry 100 per month. Qui avait was that un plan successful? De marier 100 personnes par mois. Ce answer, plan a-t-il no. été réalisé? Réponse non. Question, question. Why? Pourquoi? Answer. Réponse. Because some people agreed to get married as a sign, whereas some who understood the plan prévu, or are learned party policy through their friends refused to get married. Ont refusé, ayant appris la politique du parti par end les of amis. Quote. Fin de citation. Ce passage intéressant, et si il y avait eu possibilité, ce serait peut-être dans le cadre d'un interrogatoire mettre en parallèle cette dernière réponse du témoin avec la politique du parti relative au mariage figurant dans l'article, dans la règle 6, disant que les intéressés devaient donner leur accord. Et dans le même sens, une autre question, c'est la question et réponse 90. And response 90. Je cite en anglais. And I will quote in question. English. Question. You said that order to get married 100 couples a month was from the ministry. Do you know who issued the order? Savez-vous qui answer, a donné cet ordre? Réponse. I do not know where the order came from. Je ne sais pas d'où provenait l'ordre. I just know that Reed, alias Frank, ordered my chief, and my chief ordered me to prepare the vehicles. L'ordre à mon chef et mon chef m'a donné l'ordre de préparer le véhicule. Fin de citation. C'est intéressant de noter que Rosoy ne sait pas d'où vient l'ordre de mariage. C'est intéressant parce que j'ai compris de la position de l'accusation que systématiquement, lorsqu'il y a le mot commerce, quelque part, on veut mettre en filigrane la responsabilité de Pio Sempan. En tout état de cause, Rosoy dit qu'il ne sait pas d'où vient l'ordre de ces mariages dans de telles conditions. Mais surtout, à la réponse 92 de ce même document, Rosoy est quand même un peu plus nuancé dans la manière dont il évoque l'accord demandé aux futurs époux. By the et voilà spouses ce to qu'il be. Dit au milieu de la réponse 92, et je vais à nouveau citer en anglais. Answer 92, again, I will be quoting in English. Some couple who were reluctant to agree with the wedding came to see each other. Donné leur accord au mariage, sont venus I arranged for them to see each other, j'ai pris des but whether they agreed or not depended on them. Mais previously, they had assigned the women to sit in a row and the men in the other row. And then they chose each other to be their spouses. But there were many complaints that also they lived with their parents
They were not to be brought in to be placed on cell like that. Therefore, parents, ils ne devaient they changed pas strategy. Ainsi pour être vendus. In some cases, alors, on a I had to arrange for them to see each other, dans certains cas, je asking them why they had a difference of opinion. Leur voix, pour qu'ils puissent voir, en leur demandant pourquoi ils avaient I mean that when there were different opinions, I would contact the women's unit chairperson to request four women and the men's unit chairperson to request four men to help work, and then they saw each other. When a man was satisfied with that woman, he would ask her if she agreed to accept him. Question. When a woman was proposed to, did she have right to refuse? Les hommes demandaient aux femmes si answer, yes, she did. The woman had the right to agree or disagree. But in order to achieve this plan, they always tried to persuade the woman to agree to accept the proposals. Mais si elle when they persuaded them, those couples mostly did not stay with each other for a long time. Généralement ne restait pas but ensemble in some pendant cases, longtemps. If that woman strongly rejected it, dans certains cas, it would be si ended, la femme and there would be no marriage. La proposition, fin de citation. Alors, le mariage ne se célébrait pas. So these were passages that I felt were en plus useful de ceux to quote, évoqués in par to those l'accusation. By the prosecution. Un autre commentaire sur un autre document. On another document. C'est le document E3 9000, un ouvrage intitulé en anglais « The Mystery of Sexual Violence Under the Khmer Rouge Regime », ERN en anglais, 00992194. C'est un exemple que l'accusation a cité en disant qu'on incitait les gens à se marier malgré leur désir profond. Mais je note quand même que l'exemple tel qu'il résulte de ce passage serait deux personnes ayant des biographies complètement différentes, puisque la femme, si j'ai bien compris cet exemple, ressortirait d'une famille aristocratique de l'ancien régime, alors que l'homme serait, lui, un paysan. Là encore, même réflexion que pour ce que j'ai indiqué tout à l'heure face à l'affirmation dans l'ouvrage de Nourodom Sihanouk. Cet exemple me paraît aller à l'encontre des autres exemples que nous avons pu entendre ici et de la notion selon laquelle il faudrait que les personnes qui se marient seraient de la même biographie. Donc, ce serait un exemple qui démontrerait que s'il y avait une politique du PCK, elle n'était en tout cas, en tout état de cause, pas appliquée correctement sur l'ensemble du territoire. Un autre passage que je voudrais lire en passant, c'est donc le document l'audition, le PV d'audition de Madame Tuxitan, document E3-378, ERN en français 00342203, ERN en anglais 00345541, ERN en Khmer 00349538. C'est juste débuter la réponse telle qu'elle a été omise par l'accusation lorsqu'il a cité ce passage évoquant la disparition du mari de Madame Tuk. Madame Tuk's husband. La réponse à la question « Comment avez-vous constaté la disparition de votre mari ?» elle indique « En janvier 78, j'ai donné naissance à mon fils. Je précise que dans le régime Khmer Rouge, les femmes qui venaient d'accoucher avaient le droit à 2 mois de repos dans une maison. Pendant mon séjour dans cette maison de repos, mon époux est venu à 3 reprises me rendre visite et voir son fils. Puis pendant 2 semaines, je ne l'ai plus vu. » Fin de citation. Ce tout petit extrait qui avait été omis, simplement pour
dire que lorsqu'on a parlé des conditions de vie de la population, on a parlé du fait que sur certains sites de travail, des femmes qui venaient d'accoucher avaient été forcées à travailler, etc. Là, nous avons une déclaration qui, a priori, d'une personne qui n'a pas spécialement de volonté de donner des éléments à des charges, mais qui donne des éléments, disons qu'il y avait du repos de deux mois après l'accouchement. Un autre document sur lequel je voudrais revenir, c'est le document E3-9575. Je crois que je n'ai pas le droit de dire le nom de cette personne, mais la réponse citée, les réponses citées par l'accusation dans ce document, dans ce PV d'audition, sont les réponses 65, 66, 67, 73 et 76, et notamment une mention disant que ce témoin se serait marié à l'âge de 15 ans. En tout cas, c'est ce qu'elle dit dans son PV d'audition. Or, la Chambre constatera à la lecture de ce document que, à l'ERN, en français 0114036, en anglais 0102528728 et en khmer 00996490, que la date de naissance de ce témoin serait le 12 mars 1958, qu'elle-même a indiqué à la réponse numéro 6 de cette déclaration que lorsque les Khmer Rouges sont arrivés dans son village, elle avait 15 ans, a priori. C'est après le 17 avril 75, donc 15 ans en 75. Qu'elle indique qu'elle aurait été mariée en 77. Donc, a priori, ça ne correspondrait pas. Si on rajoute, si on prend sa date de naissance, ça ne correspondrait pas à la date de 15 ans. Et qu'en tout état de cause, lorsqu'on fait le calcul avec sa date de naissance de 58, on a une date de mariage, si ce mariage a eu lieu en 77, on a un âge qui serait de 19 ans. En tout état de cause, je rappelle que quand même... On peut dire beaucoup de choses sur la politique du PCK, mais en tout cas, en matière de mariage, on ne peut pas dire qu'ils encourageaient les mariages précoces. Et ça, je pense que nous avons entendu jusqu'à présent suffisamment d'éléments, que ce soit de la part de témoins ou de parties civiles, disant qu'il y avait un minimum d'âge pour les femmes aux alentours de 20 ans. Donc, en dehors de la contradiction par rapport à la date de naissance, ça ne correspond pas non plus à de la preuve que nous avons pu entendre dans le cadre de cette audience. Un autre point que je voudrais souligner sur un autre document, E3-9808, c'est un document pour lequel l'accusation a cité les réponses 73, 74, 77, 78 et 79. Et je voudrais revenir sur une réponse qui a été sautée par l'accusation. Quand on demande à cette personne qui a indiqué auparavant que c'est la hiérarchie qui aurait ordonné des mariages forcés, la question qui lui est posée à la question 76 en anglais est la suivante, en français, pardon, enfin dans toutes les langues d'ailleurs, est la suivante. À qui faites-vous allusion quand vous dites que l'ordre venait de la hiérarchie ? Réponse 76. Je ne sais pas au fond. Il est possible que la hiérarchie ait ordonné à Ta'ab, qui m'a passé l'ordre ensuite. Le garçon a dû dire qu'il était amoureux de telle fille,
Puis Ta'ab est venu m'ordonner de convoquer le garçon et la fille au mariage. Fin de citation. Donc, c'est quand même intéressant de noter que, en ce qui concerne l'ordre, ce cadre qui a organisé les mariages, il ne sait pas au fond d'où cet ordre viendrait. Et surtout, c'est important de noter que c'est lui qui indique qu'il a procédé à la convocation des personnes dont le garçon était amoureux pour procéder au mariage. Et pour terminer, deux petites observations sur des documents présentés par les co-avocats des parties civiles. Tout d'abord, le document E3-9662 à la réponse 31 qui n'a pas été citée et qui est importante. Question posée. Avez-vous entendu dire s'ils arrêtaient les gens qui refusaient de se marier ? Réponse 31. Je n'ai pas entendu parler d'arrestation de gens qui refusaient de se marier. Cela étant, des collègues d'unité itinérante et des villageois ont parlé des mauvaises conséquences d'un refus de mariage. Donc là encore, lorsqu'on a des déclarations de personnes qu'on ne peut pas interroger, on constate que il n'y a pas de témoignage direct sur des éventuelles conséquences négatives. En tout cas, elle dit qu'elle n'a pas. Cette personne dit qu'elle n'a pas entendu parler d'arrestation et que le reste serait du oui-dire. Ça, c'est important de le noter parce que ça fait partie précisément des écueils quand on utilise des déclarations écrites. Dernier document sur lequel je voudrais faire une observation, le document E3-9790 et notamment les réponses 92 et 93 qui ont été citées par ma consoeur des parties civiles. Simplement pour rappeler, puisque là, dans cette réponse est évoqué un viol qui n'est pas dans le cadre du mariage. Alors j'ai bien entendu la position des co-avocats, des parties civiles, disant que dans la mesure où ils ont fait appel de votre décision E306-7-3, où vous avez confirmé que les viols en dehors du mariage ne sont pas concernés par la présente procédure, j'ai bien compris qu'ils avaient... Vous avez l'intention de former appel de votre décision, mais je renvoie simplement à la règle 104 du règlement intérieur qui précise que dans le cadre d'un appel immédiat qui sera examiné par la Cour suprême et nous verrons le sort qui sera réservé, mais qu'en tout état de cause, dans le cadre d'un appel immédiat, il n'y a pas d'effet suspensif dans ces conditions de vouloir continuer à intégrer des éléments qui sont hors champ à ce procès ne correspond pas au règlement intérieur de la Chambre et je demande évidemment d'en tenir compte dans le cadre de ces extraits-là et éventuellement de la suite. Enfin, pour terminer, je vais simplement indiquer que la disparité des traitements et de l'application du règlement des mariages en fonction des lieux et en fonction des cadres en charge d'appliquer cette réglementation fait qu'il y a de nombreuses expériences diverses et que c'est un élément qui sera extrêmement important dans le cadre de la discussion et des plaidoiries finales à venir. J'en ai terminé, Monsieur le Président, de la présentation de ces éléments en indiquant simplement qu'il est évident que le but n'est pas de plaider définitivement, mais de faire des commentaires qui me venaient à la suite des présentations par l'accusation et les co-avocats des parties civiles. To just make some comments on what the co-lawyers and the prosecution has put forward. Thank you. President, thank you, counsel. Le président, merci, maître. The hearings on the presentation on key documents relating to the regulation of marriage have now come to an end.
Next, the chamber is intended to hear submissions of the co-prosecutor request to call one additional civil party on the role of the accused and also to hear the request to admit documents related to the civil party into evidence, request 8436. Parties were informed in the email by the legal officer of the trial chamber on the 5th September 2016 to register their responses to the request mentioned above today after the hearings on key documents. First, the floor is given to the legal lawyers for civil party to register their responses. You may now proceed. Pour apporter leur réponse. Vous avez la parole. Maître Pikong. Good morning, Mr. President, Your Honours, parties, everyone in and around the courtroom. Concerning the request of the co-prosecutor, E436, that is the request to summon one additional civil party and also to admit related et a déclaré recevable documents des documents y afférents. Again, the request is to summon one additional civil party to come and testify. The legal lawyers are of the opinion that the concerned civil party has relevant information on the activities of the accused, said the legal lawyers for civil party. We therefore do not have any objection to the request to call that concerned civil party to come and testify before the chamber. I thank you very much, Mr. President, and please be informed. President, next. The floor is given to the defense team for Mr. Nguyen Chia to respond to the request. You may now proceed. Good morning, Mr. President, judges, parties, and everyone watching. We have no submissions on this point. Et toutes les parties, nous n'avons pas de d'arguments ou d'observations à ce stade. President, thank you, Madam. Thank you, Counsel. Merci, Maître. Next, the floor is given to the defense counsel for Mr. Kyu Sampan. Et c'est à l'équipe de défense de Kyu Sampan. Une fois n'est pas coutume, Monsieur le Président, nous n'avons évidemment pas la même position que les autres parties. Mr. President, but clearly we do not have the same position on the subject as the other parties, and I will explain. Nous avons une demande de 87.4 pour faire comparaître une partie civile qui évoquerait le rôle de Kyu Sampan en nous disant que si elle arrive, cette demande arrive tardivement, que ce serait important parce que cette partie évoquerait notamment le traitement des Vietnamiens, le traitement des ex-RK et le fait que Kyu Sampan aurait pris la parole à un moment donné lors des déplacements 3 de population. Première observation, la requête, elle est plus que tardive. Pourquoi le document était disponible depuis au moins 2015. Cette partie civile était connue de l'accusation puisqu'elle figure en note de bas de page de l'ordonnance de clôture que aucune des parties n'avait préalablement au moment de l'établissement des listes des témoins mis cette partie civile dans la liste des témoins. Et c'est à quelques semaines, à un moment où nous essayons d'arriver, d'essayons de boucler la preuve dans ce procès que nous sort cette partie civile à nouveau en disant qu'il est important qu'elle comparaisse. Si c'était aussi important qu'elle comparaisse, alors pourquoi, contrairement aux indications de la Chambre, dans sa décision E3-363-3 et ensuite rappelée en juin 2016 dans E319-47-3, pourquoi est-ce que l'accusation qui a pourtant fourni la déclaration de cette partie civile nous a communiqué cette déclaration de partie civile en disant que c'était une déclaration à décharge
Pourquoi elle n'a pas fait cette demande de 87.4 au moment où elle procédait à la communication? Why did the prosecution On nous dit de l'autre côté de la barre, oui, mais la traduction de ce document n'a été faite que que récemment, enfin c'était il y a quand même 7 recently, mois, et surtout l'autorisation du comité de communiquer ce document a été faite il y a 19 mois, le 25 août 2015. Donc là, j'aimerais bien comprendre quel est le caractère nouveau de cette déclaration, alors que ça fait plus de 19 mois que l'accusation en a connaissance, qu'il y ait eu des traductions postérieures n'enlève pas le problème de la question du caractère tardif de la demande, puisque si l'accusation nous a communiqué, nous a communiqué cette déclaration il y a quelque temps uniquement en Khmer. Je rappelle que les requêtes de communication viennent du coprocureur international et que je suppute quand même qu'avant de communiquer un document, il en prend connaissance. Donc, de dire qu'il n'a eu connaissance de ce document que tardivement ne correspond pas à la réalité des faits. De dire que cette partie civile serait en lien avec le traitement des Vietnamiens ne correspond pas à la réalité, en tout cas dans ce que j'ai lu. J'ai lu rapidement des déclarations, il n'y a rien sur le traitement des Vietnamiens. Je précise que cette partie civile, dans le cadre de l'ordonnance de clôture, est citée sur les déplacements 3 de population qui ne font pas partie de la saisine dans le procès 02-2. Enfin, la question qui se pose de façon plus générale, c'est le moment de cette requête et l'impact. Je pense que la Chambre aura compris que la défense est ces derniers temps particulièrement fatiguée de la manière dont on introduit systématiquement, de façon tardive, alors que le procès touche à sa fin, de nouvelles déclarations. Cela ajouté avec, et je comprends les difficultés qu'il peut y avoir à aligner des témoins correctement avec une contingence que connaît Wissou. Mais malgré tout, il faut savoir que ces nouveaux témoins, appelés tardivement dans le cadre de l'organisation du travail de la défense, a un impact particulièrement négatif pour l'exercice d'une défense pleine et entière. Dans ces conditions, je demande simplement à la Chambre de rejeter la demande de l'accusation en constatant, compte tenu de la chronologie des faits et de la chronologie de la communication de ces documents, que c'est une demande particulièrement tardive et qui, n'est pas justifiée compte tenu du fait que les éléments annoncés comme étant notamment sur le traitement des Vietnamiens ne correspondent pas au contenu de la déclaration et que le traitement des ex-RKA tel qu'il est mentionné a été plus que largement couvert et qu'à tout le moins, ce serait une déclaration qui serait répétitive. Quant au discours supposé de Khieu Samphan, nous avons au dossier suffisamment de discours pour que la Chambre puisse se déterminer ou pas sur les questions sur les déclarations publiques que Khieu Samphan aurait tenues. Mais en tout état de cause, je suis obligé de souligner quand même un certain malaise de la part de la défense quand on constate que cette partie civile a un avocat depuis 2008 et que c'est en septembre 2016 que tout d'un coup on donne des éléments sur les déclarations de Khieu Samphan. Donc là encore, caractère tardif et incidence et impact particulièrement négatif en termes de préparation de l'équipe de Khieu Samphan. Thank you. And Judge Lavergne, you may now proceed. Juge Lavergne, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, juste une clarification auprès de la défense de Khieu Samphan. La demande des coprocureurs, en fait, contient deux branches. Une concerne une demande de convocation de cette personne pour être entendue à l'audience,
et l'autre concerne une demande en fin de déclarer ou à déclarer recevable un document qui est un document complémentaire à sa demande de constitution de partie civile. Les deux branches de cette requête soient rejetées ou est-ce que vous faites une distinction entre ces deux requêtes? Je demande l'intégralité du rejet de la requête pour les raisons que j'ai rappelées. I am asking that the entire application be rejected for the reasons I have just given. Co-prosecutor, do you have the floor? L'accusation, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Je vais essayer de remettre les choses dans l'ordre. I will try to tout d'abord, je crois que la défense se méprend sur cette requête, puisqu'en fait, the on a fait cette requête et notamment celle motion, de faire comparaître cette partie civile the application de TCCP, to call to TCCP 1063 au fin de déposer sur le rôle de Q Sampan. In order to testify on the role of Q Sampan. Je ne crois pas avoir vu dans notre requête qu'on se basait I saw in our application that we were relying de Vietnamiens ou le on the issue of the treatment of Vietnamese and the treatment of former soldiers of the London Army. In any case, what si we should demande la comparution de note here is that parce que cela traite if we are asking that for this witness to be called to testify because it deals with the acts si and conduct of the accused, pas utiliser, and évidemment, if ce type that civil party doesn't appear, such a statement cannot be used because it is the defense's right to cross-examine directly any persons who testify to the acts and conduct of their client. That is the reason in general interest that we are calling that person to appear before this chamber. I believe that the application was very clear on the statements that were made by the civil party according to the supplemental civil party information form. The chamber will recall number E319/57.1.7 on that form. Il y a question d'un discours de Q Sampan adressé à des gens déplacés de la zone Est. Delivered before people who are displaced from the East Zone to the West Zone. When they arrive in Phnom Penh, that speech is delivered. And he states the following in the form, and I quote. Je cite donc ce qui est attribué à Q Sampan. Quoting what is attributed to Q Sampan, and I'm quoting in English. Please follow the Democratic Kampuchea policy. Veuillez suivre la politique Please du be loyal to the party forever. Veuillez être loyal envers le parti If pour anyone toujours. Betrays si the party, quiconque trahit that le parti, person will be killed. Cette personne sera exécutée. As the saying goes, Comme le dit to keep you l'adage, is of no benefit, te garder to kill you n'apporte is rien, of no loss. Te tuer End of quote. Ne nous fait rien perdre. Alors cela est particulièrement important. Now, this is particularly non seulement au rôle de Q Sampan, parce qu'il s'adresse à des gens qui transitent par Q Sampan, par Phnom Penh, role directly, mais cela touche également à la politique des ennemis, le traitement Phnom Penh, and it also des personnes ennemies, des personnes qui ne respecteraient pas enemy, the treatment la discipline. Of the enemy and persons who did not respect the discipline Et donc or comply cela touche with the à so, paragraphe 156 it is related to paragraphs 156 and 178 of the closing order since we are talking of a criminal enterprise, a joint criminal nous, enterprise regarding the policy dans le cadre with regard to the enemy. Du procès qui aura trait and au this rôle is directly in line with the segment of the case pas très bien relating to the role of the accused. So I do not see the prejudice that will be suffered by the defense since that segment has not yet started. Si nous avons and une liste provisoire even de, though we de témoins, si have je ne me trompe pas, in our possession a chambre, provisional list of witnesses, unless I'm mistaken, which is provided by the chamber. D'entendre ces personnes and immédiatement. It is not a question of Donc hearing those persons immediately now, so there will be a timeline, some time before this hearing, and the projected date of the appearance of that civil party, and I believe the defense will have all the time they need to prepare for that testimony. And
The testimonies will be very, very short. What is of interest to us is this passage of a speech delivered by Kyo Sampan. So half a day for all the parties would be sufficient. Sur la question de As regards du fait que notre requête serait tardive, the issue, je voudrais simplement rappeler rapidement aux parties que tardy. Venant like d'autres dossiers, nous avons des centaines et des milliers regarding de documents à réviser. This our case, we have hundreds of thousands of documents. On a donné priorité, bien entendu, aux procès-verbaux d'audition. Of course, we've given priority concernant to les déclarations the des parties records of interview as regards the statements of some parties. Nous ne sommes attelés que plus tard pour essayer de rattraper en quelque sorte le retard. Try étant donné to que catch up and les critères pour the way we call these divulguer ou pour communiquer ces the fact that the criteria for disclosing civil party forms are aussi. A lot donc, more restrictive. Et la valeur probante qui peut être moins and importante, the probative value of these WRIs may be Alors, less than that of sorti, the La défense s'est donnée à propos de ces documents d'informations supplémentaires. Ce que nous savons, c'est qu'effectivement, une date d'août 2015, qu'il y a une traduction en anglais qui nous a permis There is an English translation de faire that cette révision que en janvier 2016, et qu'à ce moment-là, on était documents. Non January seulement en plein procès, mais en train de revoir à l'aune des critères attending définis par la Chambre, court proceedings, l'ensemble des procès-verbaux d'audition provenant d'autres defined dossiers, by the sachant chamber, qu'il y avait urgence looking at, à les communiquer s'ils étaient à la fois from other, à décharge ou s'ils concernaient les and looking à at venir segments that are Donc effectivement, nous nous sommes rendus compte for the assez tardivement upcoming du fait sessions. Que we ce document particulier comportait That particular des éléments document concernant Kyo Sampan included dès que nous en sommes rendus compte, elements regarding Kyo Sampan. And as soon as we discovered that, we asked the co-investigating judges to allow us to disclose à la Chambre et à toutes les parties. Those documents to the Chamber and to all nous the avons parties. Reçu and de la part des co-juges we received from the co-investigating judges a decision à ce propos qui date in du that 25 regard, dated 25th of August 2016. Et qui porte and la référence which has a reference number dans un autre dossier D193-94. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a un petit délai qui s'est déroulé, qui s'est passé entre en tout cas la traduction et la découverte en quelque sorte des déclarations de cette partie civile and du dossier d'un autre dossier. Mais pour autant, il n'y a pas À in mon avis, another trial subi par that is admitted, la défense, puisque but le there temps is no prejudice préparer, suffered by the defense because vu l'importance they will have enough time to prepare themselves, given the importance aussi pour la défense, of hearing the testimony partie, de of that person, cette personne and avec the defense and questions. The other parties will definitely have the opportunity to challenge the evidence of that person, and we therefore request that our application be admitted and that be granted, and that that person be someone to appear before this chamber to give evidence. Thank you. President Elite Co-Lawyer for Civil Parties, you had the floor. But, thank you, Mr. President. Monsieur le Président, je vous remercie. I'd like to add a bit to what I said earlier. J'aimerais the proposal civil party La partie civile proposée informs the Lead co-lawyers that he is not available to testify. President, thank you for the update, Counsel. And now the Chamber would like to hear oral submissions by parties concerning the scheduling order before the Pyongban recess. May I just ask a question, please? Juge Fentz, avant que nous ne passions à la suite, why is the civil party not available? Pourquoi la partie civile n'est-elle pas disponible? I think there is an Maître issue in the interpretation. Qu'il y a peut-être eu
un problème in dans fact, l'interprétation, en fait, la partie civile est capable de venir. Est capable de venir. Thank you. Déposer. There was indeed a translation issue. Il y a quelque chose qui s'est perdu dans l'interprétation. President, the chamber now wishes to hear oral responses or observations by parties concerning the scheduling before the Cuban recess. And before I hand the floor to the parties, I'd like to hand the floor to the Nunji Defense to summarize their submission. You have the floor. Good morning again, Mr. President. So, bonjour, in our email of yesterday, we made a couple of observations. The first one, regarding the hearings prior to Chumben, we noted that in earlier email correspondence, the lead co-lawyers for the civil parties had suggested that the chamber perhaps hear the new witnesses scheduled for the fourth segment. So we took that to be the segment on security centers and internal purges, and effectively to be the new witnesses that we had requested. So in my notes, they are 2 TCW 961. Or 2 TCW 9461, 2 TCW 1046, and 2 TCW 1031. Sorry about that. So we just wanted to say that even though the lead co-lawyers later withdrew that suggestion, these were the witnesses that we had requested, and we wanted to advise the chamber that we are in a position to examine those witnesses in the week prior to Chumben should the chamber decide to schedule them. I also wanted to take the opportunity to note, and this is not in my email, that we are currently preparing a short filing in relation to another witness, 2 TCW 959. Who the chamber has been making attempts to locate. So we just have some observations in relation to that witness and further possibilities for locating that witness. The second item in our email of yesterday was regarding the regulation of marriage and the remaining civil parties and witnesses that were supposed to come to testify. We noted that there were, in our records, four civil parties and witnesses who had been previously announced for testifying, but whose status is currently unknown. So we're just unsure as to how to proceed. Do we continue to prepare them? Do we put them on hold? And we're looking for the chamber's guidance on this. Those civil parties and witnesses are 2 TCCP 264, 2 TCCP 251, 2 TCW 1025, and 2 TCCP 298. And then in addition to those, we noted that there are now two new civil parties who the chamber has added to the schedule. So they appear to be 2 TCCP 283, who is going to be appearing at the end of next week, according to the projection, and also the new civil party mentioned just this morning, being a civil party whose statement was mentioned in the prosecution's document presentation of yesterday. In this regard, we would just like to reiterate earlier comments made by the Kisofan team. We would appreciate the Chamber's early advice on whether these people will be coming to testify in the end, because it does cost us a lot of resources to prepare them, and then that's wasted if these people don't turn up. I appreciate that there's challenges in this, but we just wanted to bring this to the Chamber's attention. And then the third item in our email was regarding 2 TCE 83, the expert that had been originally scheduled for the nature of the armed conflict segment. We noted that in our oral submissions on the 16th of August, we had requested that alternative modalities be explored in terms of this expert's appearance, for example, testifying by video link, perhaps exceptionally testifying on a Saturday. So we just sought the chamber's guidance as to whether there were any updates on this expert. While I'm on the subject of the expert and of the nature of the armed conflict segment, I also just wanted to take the opportunity to say that should that expert not come to testify and should the chamber advise us of such, we will then be considering filing a written motion requesting two other experts that we had mentioned in those oral submissions earlier. They were Steve Hedder and Stephen Morris, and that is the order of preference in which we would like to call those two experts. And obviously, we would also always be keen to hear one of the witnesses who we have requested many times and who we believe would be a very important witness for the nature of the armed conflict, and that is 2 TCW 831. And just finally,
family. We note the Chamber's email from yesterday concerning Patrick Hövelin, and we just wanted to take this opportunity to confirm we will be filing a written submission seeking his appearance. Thank you very much. Sa comparution par de prochaines écritures. Merci. Thank you, Councillor. President, je vous remercie, Maître. And now I hand the floor to the co-prosecutor. Je donne la parole au co-procureur. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. Concernant President. Concernant le premier point, il semble que the first point, il y avait également une requête qui a été faite par la défense de Kyusampan. Another application was made by the Kyusampan defense. En particulier de Maître Antagissé. Notably, on ne sait pas si elle veut. Ce serait plus logique de l'entendre d'abord, parce que it would be more logical for us to hear her position, because her position may be different from that of Nunchia. If I refer to her email, et de dire to discuss this subject and to say nul n'est tenu, that et donc no one is obliged to do what's impossible, and on ne pourrait pas entendre ces témoins qui avaient été proposés par Nunchia that we cannot hear avant the witness proposed Chumben. By Nunchia before Chumben. Nous éclairer là-dessus, mais en tout cas, ce que nous avons à dire, Mrs. Gisset c'est qu'il s'agit de témoins relatifs in any case, au quatrième what we segment, c'est-à-dire les purges internes, que les requêtes de Nunchia datent d'un certain temps, et que donc il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas prêtes. There is no reason why the parties wouldn't be ready to examine that witness before Chumben. If indeed it is confirmed that the witnesses and civil parties testifying in relation to forced marriages cannot appear immediately and can only appear after Chumben. Donc il ne s'agit pas de prendre vraiment les parties par surprise. On sait que ce segment se déroule déjà depuis un certain temps. Parties unaware because the segment has been going on for some time, and the chamber will have to take decisions regarding a number of witnesses. Déjà des requêtes depuis we already longtemps, have nous avons pu applications that were made a long time ago. We've been able to read à ces documents précis, relating donc, to those specific witnesses. En tout cas de notre côté so que nous serons, we, prêts, of the prosecution, believe that we are ready, and we'll rely on the chamber's discretion as to the scheduling of future proceedings. If the hearings take place earlier, it'd be better for us. Alors, concernant les autres and we'll be better prepared. Requêtes, il y a as regards des demandes d'information, de other motions, on est, est-ce qu'on va requesting information tel, to know where we stand, civil, whether or not we'll hear this civil party or not. We have nothing to say on that. Demande d'expertise ou de savoir si l'expert de TCE 83 pourrait tout de même venir et à quel moment nous en rapportons également à la sagesse de la Chambre. Ici, effectivement, il y a d'autres requêtes qui sont faites par la suite au cas où cet expert ne venait pas, nous réserverons le droit d'y répondre à ce moment-là, mais a priori, nous ne nous opposons pas. We will not object to the summoning of any experts or witnesses in future to compensate the non-appearance of TCE 83. I have nothing to add in particular on these issues, Mr. President. I'd like now to hand the floor to the lead co-lawyer. La parole est au co-avocat principal pour les parties. But once again, good morning, Your Honours and everyone. Mesdames, Messieurs les juges, you listen bonjour à nouveau, chers confrères. To the request to en ce qui concerne co-witnesses or civil parties, we, the lead co-lawyers, do not have any particular observation. Nous n'avons aucune observation particulière. We rely on the discretion and the availability of those civil parties and witnesses. However, cependant, two civil parties, deux parties civiles, to TCP 264 and to TCP 251, who have health issues or one of them is busy de taking care of an elderly mother. L'une de ces deux personnes est we actually have contacted the
said civil parties, and we await a report from WISU on the result of the communication with the said civil parties. And again, we, the civil parties, relied on the discretion of the chamber. À nouveau, nous nous en remettons à la sagesse de la chambre. And of course, we will abide by the instructions of the chamber. Et nous respecterons les instructions données par la chambre. President, thank you. Je vous remercie. Can I just ask a question? I seem to remember there's also a request from you to push the harm suffering hearing after the holidays. Can you give a short reason for that? Une requête tendant à ce que les audiences sur les souffrances soient repoussées à après Pshumben. Que pouvez-vous nous dire à ce propos? Réponse, je vous remercie, Madame John, le juge. In relation to the impact hearing, la déclaration sur les souffrances. Our position is the same as what we set out in our email sent to Your Honor, so by my lead caller, your counterpart, Marie Guiraud. We have some financial issues as well as the arrangement with some civil parties. Et à un certain nombre de contraintes liées aux arrangements avec les parties civiles. Who we deemed as having potential information concerning nous the impact hearing, ont des informations and sur we are trying to resolve these challenges at the present time. And we hope that we would have sufficient information next week. La semaine prochaine disposer de suffisamment and d'informations that by Tuesday next week or Wednesday, the latest, mercredi, we would have the list of civil parties for Your Honor's consideration la liste so that you are in a position to select them for the impact hearing. Once again, allow me to repeat, we shall be able to hand you the list by Tuesday or Wednesday next week. D'ici mardi, mercredi de la semaine prochaine, pouvoir vous communiquer la liste des parties civiles. As for the scheduling for their appearance, after you receive the list, then it is at Your Honor's discretion. De comparution, à nouveau, nous nous en remettons à la sagesse de la Chambre. President, thank you, lead co-lawyer for civil parties, and now I hand the floor to the defense team for Kyu Sampon. La parole à l'équipe de défense de Kyu Sampon. Oui, merci, Monsieur le Président. Yes, thank you, Mr. D'abord, President. Une correction par rapport à like mon email. Lorsque j'ai lu la demande start, de report my email. De l'audience des co-avocats des parties civiles sur les souffrances et leur demande de convoquer des témoins sur le segment, le quatrième segment du procès. J'ai un peu lu rapidement et dans mon entendement, j'avais compris qu'ils demandaient la comparution avant l'heure de personnes de témoins sur le segment du conflit armé, d'où ma réaction un peu rapide. J'ai bien compris sur rectification et discussion avec l'équipe de Monsieur qu'il s'agissait des témoins sur le quatrième segment et le problème est moindre. Je dis les moindres, il n'en reste pas moins existant, mais il est moindre que sur le conflit armé. It does exist all the same, but it's a lesser problem as regards the segment on armed conflict. Les requêtes des uns et des autres, et je comprends, je tiens à le dire en préalable parce que ce n'est pas forcément clair, mais je tiens à dire que je comprends les difficultés que peut avoir la Chambre et que peuvent avoir les services de WISU pour faire venir les témoins qui ont été envisagés par la Chambre. Maintenant, comme l'a noté l'accusation quand même, la requête de Nuncea sur les éventuels témoins sur le quatrième segment date de mars ou avril. Et c'est vrai que lorsqu'on apprend simplement en fin août ou début septembre que la Chambre envisage de faire venir certains de ces témoins, je peux vous dire que dans l'organisation de l'équipe, on ne va pas anticiper alors que nous avons des éléments restreints sur des témoins dont on n'est pas sûr que la Chambre va les faire comparaître. Et là, je renvoie à nos différentes demandes préalablement qui est de dire même si nous comprenons que les souhaits initiaux de la Chambre peuvent à la suite évoluer parce qu'il y a les contingences de WISU, et de savoir, d'avoir une idée précise du reste des témoins que la Chambre souhaiterait
as regards any additional witnesses that the chamber would like to call, it's important for us to know whether or not it is more likely for one witness or rather than another to be called. And that is why I reacted promptly by email. And that is why today I would request the chamber to bear in mind the difficulties that we know you would have in knowing exactly when to call this or that witness. It's important for us to have a clear idea as to the witnesses that the chamber intends to call. That would enable us to work as efficiently as possible. I do understand that on the side of the prosecution, les contingences de la défense et de l'accusation ne sont pas les mêmes et que nous ne pouvons pas prendre le temps pour les requêtes. President, the chamber will notify the parties on the scheduling order as soon as possible. The chamber will take a break now for lunch and resume at 1:30 this afternoon. Security personnel are instructed to take here some phone to the waiting room downstairs and have him return to attend the proceedings this afternoon. The chamber would like to cover another issue for today's proceeding. As the chamber informs the parties this morning that the chamber is considering to call another additional witness whose statement appeared in E3/9820. In relation to regulation of marriage. Therefore, the chamber wishes to hear oral responses from parties concerning the summons of this witness. And the pseudonym for this witness is 2TCCP1064, and please refer to this person by this pseudonym. And first, I'd like to hand the floor to the co-prosecutors to make his observation. Merci, Monsieur le Président. Bien, nous nous félicitons. Thank you, Mr. President. Du fait que cette partie civile soit. We. Invité à déposer devant la chambre. I'm happy that that civil party will be called to testify before this chamber. I think the situation was very clear on Tuesday when I read the procès-verbal d'audition E3/9820. Et je soulignerai à plusieurs titres l'intérêt de l'amener. Tout d'abord parce qu'il a expliqué avoir été marié et force à un homme handicapé qu'elle n'aimait pas. That she was married to a handicapped person she didn't love. Deuxièmement, elle dit qu'on leur a expliqué que les handicapés s'étaient sacrifiés sur le champ de bataille, qu'ils devaient les récompenser en leur donnant une femme. And had they had to be compensated si elle avait eu le choix, ce ne serait pas mariée. On passait à l'exécution les conjoints qui n'avaient pas de rapport sexuel, donc qui ne consommaient pas le mariage. Anyone who didn't, elle établit également le lien entre l'augmentation de la population. Et Marie le mariage was, executed. À la réponse 31, puisque we have un des dirigeants sur place avait annoncé dans la réunion 31, que l'hangar avait besoin de main-d'œuvre supplémentaire. Et par conséquent, ils devaient marier des jeunes gens et des jeunes filles pour qu'ils fassent des enfants et servent la révolution. Ceci vient d'un contrepoint so de la présentation des documents de la défense ce matin, ou de leurs observations plutôt.
That is the essence of the statement given by that witness. Et enfin, il parle aussi du fait que certains garçons étaient amoureux et demandaient à certaines filles d'être unies par les liens du mariage, mais le chef d'unité refusait parfois de les marier. Et cela protestait to allow them to marry those girls, and those boys protested, and they were subsequently executed. These are the reasons that prompt me to say that. De cette partie civile est particulièrement the testimony pertinente of that civil party is particularly relevant, and it is at the very heart on the segment on regulation of marriages. I think it is relevant for that civil party to be confronted in relation to these statements given by other parties. I thank you. Thank you, co-prosecutor, and the floor is now given to the lead co-lawyer for civil parties. Pour les parties civiles. Once again, good morning, Your Honours, and everyone. Bonjour, une fois de plus, honorable juge, à toutes les parties présentes. In relation to this civil party, en ce qui concerne cette partie civile, I'd like to also clarify that she is also a civil party in case 002. Qui avait également une partie civile dans le dossier 002. And as outlined by the co-prosecutor, her information is related closely to the regulation on marriage. Elle donnera des informations étroitement rattachées à la réglementation des mariages. And that she received such information when she was forced to get married. Elle a reçu de telles informations lorsqu'elle a été forcée de se marier. She said that the announcement during a general meeting was that ANCA needed additional forces for that reason. Male and female youths are required to produce more children in order to build the revolution. Furthermore, the civil party possesses some interesting information, and she spoke about the suffering she received since we were severely mistreated by her husband during their sexual encounters. She actually did not consent to sexual intercourse, but she was beaten by her husband. And there are also other information. Elle n'a pas consenti à ses rapports sexuels et elle a été frappée. Informations that are related to the regulation of marriage. Relative à la réglementation des mariages. Above information and reason, we support the request by the co-prosecutor to call this civil party to testify. Visant à faire comparaître. President, thank you, lead co-lawyer for civil parties, and I'd like now to hand the floor to Nunji's defense. Merci. De quoi, avocat principal? Hello again, Mr. President. In terms of relevance, we have no particular observations. It's just more of a question of timing. So, from our point of view, it's a little different to the witnesses for the fourth segment, for whom we are very familiar. This is someone that's new to us, whose background we don't know. So we would need a little bit of time to prepare that. The earliest at this point that we could say we could be ready, barring any emergencies happening in between, would be perhaps the last day prior to the Chumben break. Otherwise, it perhaps may make more sense for this person to appear after Chumben, together with the remaining witnesses for the regulation of marriage and with the second expert on regulation of marriage. Those are the observations that I have for now. Thank you. Sur la réglementation de mariage et le témoin expert. Sur ce segment, c'est tout ce que j'avais à dire. En guise d'observation, je vous remercie. Le président, je vais à présent passer la parole à la défense de Kyusampan. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Je veux simplement noter que dans le cadre du procès 02-2, la liste des témoins souhaités par les parties, que ce soit la défense, l'accusation ou les avocats des parties civiles, ont été déposés en mai 2014. Si je comprends les interventions aujourd'hui de mon confrère des parties civiles, cette partie civile était
today, the civil parties, partie civile au procès 02/2 à cette date, case et donc nous dire aujourd'hui que time, on ne pourrait pas faire sans sans l'entendre, tellement son témoignage serait important sur un segment où il y a eu déjà beaucoup de preuves obtenues, puisque en dehors du segment, la politique des mariages a été acceptée devant la Chambre sur un plan national. Et que donc tous les témoins, peu ou prou, en ont parlé à un moment ou à un autre, quasiment tous les témoins en tout cas. Donc aujourd'hui, la Chambre nous indique en juin 2016 qu'elle souhaite entendre ce témoin. Nous en prenons acte. Bien sûr que nous nous rangeons à l'avis et aux remarques qui ont été faites par l'équipe de Nunchea, disons que compte tenu de l'information tardive, il nous faut le temps de nous préparer. Mais de façon générale, je trouve vraiment regrettable que dans le cadre de la préparation de ce procès, on rajoute à quelques semaines de la fin du procès toujours de nouveaux témoins qui auraient largement pu être identifiés auparavant. Thank you, Council. Le président. Merci, maître. The Chamber thanks all parties and listened to your responses, and the Chamber will consider those responses so that we can issue our decision in due course. Et rendra sa décision en and temps we will adjourn the proceedings today. La Chambre va lever l'audience pour aujourd'hui. And they will resume on Tuesday next week. Les débats reprendront mardi de la semaine prochaine. That is 13 of September 2016, mardi commencing from 9 o'clock in the 2016, morning. À partir de 9 heures du matin. And on Tuesday next week, the Chamber mardi, will hear testimony of an expert through TCE 82 concerning regulation 82 of a marriage. Please be informed and attend the proceedings. Soyez-en informés. Security personnel, you are instructed to take the two accused, Nunchea and Kisum Phorn, back to the detention facility and have them return to attend the proceedings next week, Tuesday, 13 September 2016, before 9 o'clock in the morning. The court is now adjourned. Pour le reprise des débats, mardi 13 septembre 2016, avant 9 heures. L'audience est levée.